dans une nouvelle vidéo parce que on vous a fait deviner dans le groupe de quelle marque on allait parler pendant cette semaine de découverte. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire ça à peu près tous les mois. Si vraiment le principe vous plaît, on l'agrandira dans le temps, mais on va se fixer pour l'instant pour voir si ça plaît ou pas pour une semaine ce mois-ci. Donc on vous a flouté l'image de la marque et on a essayé de vous faire deviner. Donc du coup, merci Debo pour m'avoir donné le nom d'une application pour bien flouter. Mais on a une petite pro dans notre groupe qui a aussi sa chaîne. Du coup, pour te remercier d'avoir trouvé la marque, je vais citer ta chaîne. Donc il s'agit de Josie Colori. Si vous souhaitez rejoindre sa chaîne, je vais vous mettre en barre de description le lien. Je vous incite à aller la voir, franchement, elle a de super vidéos, elle nous organise un bingo colo tous les mois auquel personnellement je participe et j'y tiens. Donc le bingo colo, en fait, c'est tout simple, elle pioche dans une petite boîte où elle fait piocher ses enfants. Elle pioche deux petits papiers. Le premier pour savoir quel livre vous allez choisir dans votre bibliothèque. Donc il y a un mois on commence de la gauche et un autre mois on commence de la droite. Enfin, ça s'alterne. Voilà. Donc on pioche, elle pioche. Elle nous dit par exemple c'est le 10e livre en partant de la gauche. Donc vous allez dans votre bibliothèque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous prenez ce livre-là et elle pioche un autre en nous disant ça va être telle page. Voilà. Donc moi, par exemple, ce mois-ci, je suis tombée sur un classeur que j'ai à porte-vue où je mets tous mes colos de Reinhardt. Et du coup, je suis tombée sur ces colos-là. Donc on peut tomber sur n'importe quel livre, des fois des livres où on n'a plus l'habitude d'aller et tout ça. Donc ça permet de changer un petit peu et tous les mois, j'y participe. Elle est présente sur Instagram, sur Facebook. Et aussi sur YouTube. Donc, de toute façon, je vous mettrai dans tous les cas le lien de sa chaîne et je vous incite à aller la voir. Donc, un gros bravo, Josie. Tu nous as deviné quelle marque on parlait. Et on parlait tout simplement de la marque Arteza. Alors, je vais vous montrer un petit peu pendant cette semaine de découverte. Donc, demain, on va en parler sur le groupe. On va vous poser des questions sur cette marque. Donc vous verrez, je vous incite à aller participer parce qu'on vous fait énormément participer sur le groupe, vous le savez. Si vous n'avez pas Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les questions qu'on a posées ainsi que les images. Voilà. Je vais vous montrer pendant cette semaine découverte, moi, les produits que je vais pouvoir vous présenter de cette marque. Et on fera ça régulièrement. Donc déjà pour commencer... Arteza est une marque étrangère, déjà pour commencer, c'est pas une marque française, je précise, mais vous pouvez l'avoir sur Amazon sans problème. La gamme d'Arteza est très large, elle s'adresse surtout aux artistes, mais aussi bien aux débutants qu'aux plus expérimentés, puisqu'ils vendent aussi bien des stylos, des marqueurs à tableau blanc. Ils vendent des papiers, ils vendent des papiers pour artistes, hein, tout simplement, ils vendent des toiles, ils vendent aussi bien des feutres, des crayons de couleur. Franchement, la gamme est très très large. De toute façon, je vous mettrai un lien vers la page Amazon d'Arteza et sur tous les produits que je vais vous montrer là aussi. Et je vous en parlerai plus pendant cette semaine découverte. Donc, on fait un petit tour d'horizon des produits que je vais pouvoir vous présenter tout au long de cette semaine découverte. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi on va parler. Je vais avoir quelques stylos gel qu'on m'avait envoyés. Donc, j'en ai pas beaucoup. Là, je vous en ai montré deux. Mais je vous en parlerai vite fait. Parce que c'est parce que j'ai le plus de chez eux. Je vais pouvoir vous parler de leur papier. Pourquoi ? Parce que quand on... Non, c'est pas les papiers de la bonne marque. Pas bien. Mais je pourrais vous parler des papiers Arteza aussi. Bien, Christelle, hein, pas la bonne marque. Je commence bien déjà. Je vais vous parler des crayons de couleur puisque je possède deux gammes de chez eux. On va commencer par celle-là. Je possède la gamme Classic Expert, donc ceux-là.
Voilà. Donc, tout au long de cette semaine, pareil, je vous proposerai les combos. Je vous proposerai plein de choses vis-à-vis d'Arteza, des nuanciers, des choses comme ça. Tout est un peu complet. On vous proposera plein de trucs avec l'équipe qu'on a mis en place. Voilà. Donc là, je vous parlerai de ces crayons-là. Je vous ferai une petite vidéo démonstration dessus. Vous direz les plus, les moins, pourquoi je vous les conseille ou pas. Voilà. J'ai la gamme classique. J'ai aussi la gamme aquarellable. La gamme expert aquarellable. Mauvaise pioche. C'était dans l'autre sens, voilà. Donc, j'ai la gamme aquarellable que je vous en parlais aussi, bien sûr. Donc, j'ai les gammes complètes. Hein. J'ai les 120, donc je pourrais vraiment vous en parler vraiment bien. J'ai aussi acheté une trousse de chez Arteza. Donc, je vous en parlerai. Vous verrez, elle est super bien. Dedans, j'ai mis mes brutes funeurs. J'aurais pu mettre les artisans, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je vous parlerai de cette trousse qui est super, qui est très costaud et toutes les couleurs qui existent. Je vous mettrai les liens. Je vous rappelle qu'en achetant via les liens que je vous propose, vous me permettez de faire agrandir à ma chaîne et de vous proposer des concours, puisque c'était des liens d'affiliation via Amazon. Il est possible après si je le peux, j'ai fait ma candidature pour être en affiliation avec Arteza. Donc, on verra bien, j'aurai la réponse d'ici quelques jours. Je vais vous parler de cette marque qui existe depuis longtemps, qui a des tarifs vraiment avantageux. Si vous aimez la peinture, vous allez trouver de la peinture, des gros coffrets, aussi bien en aquarelle, en huile ou en acrylique chez eux. Donc voilà, la gamme est très 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 large. Je vais vous mettre quelques photos à la suite pour vous montrer un petit peu les produits. Donc là, je vous ai montré moi ce que j'ai, ce que je possède, ce que je vous présenterai le long de la semaine. Et je vous mets à la suite quelques photos d'autres produits qu'on peut trouver chez eux. Bien sûr, ils en ont tellement que je ne pourrais pas tout vous mettre, mais je vous mets le lien si vous voulez découvrir un petit peu. Voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous commandez via Amazon ces produits pour les recevoir rapidement, soit vous pouvez les commander directement sur leur site, en sachant qu'ils proposent des programmes fidélité. Voilà, donc ça c'est bien pour ceux qui sont en dehors de la France, on va dire, puisque sinon le délai risque d'être un peu long. Je vais aussi vous présenter d'autres crayons que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais que ça faisait un moment que je les voulais et que j'ai reçu. C'est les crayons sans bois de chez Arteza. Voilà. Donc, ça sera l'occasion de vous les présenter ce mois-ci aussi. Bah, cette semaine du moins. Donc, on pourra les tester. Je vous prépare le nuancier. Je vous prépare tout ça. Et j'espère que cette semaine découverte va vous plaire. Un gros bravo à Josie. T'es très douée pour les devinettes. Allez, bye bye tout le monde.